Salut amis de YouTube, bienvenue sur cette vidéo de Planet Crafter. Je continue mon aventure. Et là, il fallait que j'enregistre car c'est un passage assez important. Car il y a quelque chose qui commence à montrer le bout de son nez. Faut que j'en trouve. Je vais vous montrer ça. Un élément très important dans le jeu. J'ai vu ça en allant chercher quelques morceaux d'aluminium. Je crois qu'il y en a aussi par ici. Bah voilà, on a un là. Et il s'agit de la zéolite. J'en avais eu un peu dans un coffre. Mais voilà, là ça commence à apparaître naturellement. Alors il y a aussi quelques petites modifications. J'ai ajouté des foreuses. Vraiment beaucoup de foreuses. On peut voir, j'aurais dû vous montrer là-bas aussi, mais on peut voir là-bas tout au bout. J'en ai rajouté vraiment pas mal. Hein. Je sais pas combien, je dois en avoir plus de 10 hein, facilement. Oui, avec celle-ci, c'est vrai qu'ici aussi. J'en ai ajouté tout autour de ces rochers là. Voilà, j'ai étendu aussi ma zone d'énergie à cet endroit. Donc là ici je continuerai à mettre la production d'énergie ici. Et j'ai aussi amélioré, du moins agrandi ma base. Ah oui, là je peux pas. Il faudra que je mette un escalier en attendant. Si je n'agrandis pas plus ici, je sais pas exactement ce que je vais faire. Donc voilà, là ici, la salle de chauffage. J'ai commencé à remettre les chauffages que j'avais en plein ma petite base. J'ai commencé à mettre ici. Mais bon, il y a aussi un grand changement à ce niveau. Là, si j'ai mis une petite foreuse, ça me permet d'avoir un peu de fer et tout. Quand je fais, je fais des agrandissements et autres, j'ai un peu de fer qui se... de fer et d'autres minerais qui se farment ici. Donc ouais, j'ai agrandi, j'ai retiré tous mes chauffages qu'il y avait ici. Donc ici on peut voir que j'ai un... Donc ça fait un long couloir hein, avec l'accès donc là à l'extracteur. Et ici j'ai accès donc à la zone pour récolter mon écorce. Ici là mon biolab, je fabrique un puis pas toujours mon petit coffre ici, il faudra peut-être que j'agrandisse certainement. Et ici voilà, je retombe dans la pièce comme avant. Voilà, j'ai bougé un petit peu mes petites productions de légumes. Puis ici bah là j'ai bougé quelques coffres, bougé l'atelier de craft qui était ici. Donc là je l'ai mis là plus vers les coffres. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? J'ai rajouté aussi quelques épandeurs d'herbe. Et puis là j'en suis à 75% au niveau de la mousse, donc l'herbe va bientôt arriver. J'ai aussi ce panneau qui est arrivé, hein, qui donc lui est là pour les biomasses, les émeraudes, il y aura des insectes. Enfin, voilà, bon là c'est zéro, forcément les végétaux, ça monte bien. Et là comme vous pouvez le voir aussi, la pression. Qui monte à vue d'œil, comme voilà ce que je voulais en fait. Hein. Là, ça monte à vue d'œil, c'est plus un chiffre un par un de temps en temps. Ça monte à vue d'œil. La chaleur, va falloir que j'augmente ça, mais la chaleur, il va pas y avoir de soucis puisque je vais pouvoir poser ce chauffage T4. Chauffage T4 qui vient d'arriver là, il y a quelques minutes hein. En fait, avant que je enregistre cette vidéo, j'ai vu la zéolite, j'ai dit oula, la zéolite est là, il faut que je lance mon enregistrement parce que là c'était vraiment un moment très important. Et puis le chauffage T4 qui est aussi arrivé. Donc j'ai aussi des écrans qui sont débloqués. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui s'est débloqué? Les extracteurs de gaz, voilà, extracteurs de gaz. Donc ça j'en ai pas encore fait. Puis là bah bientôt ce qui va arriver extracteur de minerai T2 pardon, il
va bientôt lui aussi pointer le bout de son nez, hein, dans à peu près une cinquantaine, on va dire 50-60 unités MPA là. À peu près. Voilà, je renvoie aussi quelques fusées, mais pas tant que ça. Et là, par contre aussi, ce que j'ai fait une petite erreur, c'est de ne pas renvoyer de... Pardon. Renvoyer de fusées pour récolter de l'uranium, parce que là, je suis vraiment, comme on peut dire, à la dèche au niveau uranium. Il faudrait que je me fabrique... c'est vrai qu'il va falloir que je me fabrique... Je vais être obligé de refaire le petit réacteur T1 en attendant, parce que j'ai pas assez d'uranium, quoi. Vraiment pas assez d'uranium. Bon, lui, il va me produire 86, mais... Le chauffage... Bon, ça va être tout juste, en fait. Hein. Ça va être tout juste pour poser le chauffage T4. Si je refais celui-ci... Bah, celui-ci. Donc, je vais faire ça. Je vais poser le... Ah oui, je suis... plein au niveau inventaire. Et donc là forcément je recherche un petit peu où sont mes diverses coffres. Comme j'ai un peu bougé un ou quelques coffres. Donc je vais poser. Donc là-bas, je vais aller à la pièce ici. Bon là c'est le chauffage. Alors, je ne sais pas si je le pose en continuité de ça. Si je fais une plateforme. Si je fais une plateforme ici, je ne sais pas si ça va être bien ou pas. Je fais ça comme ça, je fais une porte et puis je pose les chauffages dessus. Est-ce que ça va être bien ou pas? Ah, qu'est-ce qui bloque? Ah, il y a un truc au sol, voilà. Alors ça, des fois, c'est dommage qu'on puisse pas. Bon, poser. Il y a un petit bloc qui gêne. Alors donc, il est gros comment ça? Ouais, c'est gros comme ça. Je le pose dessus. Je pourrais le poser dessus. Peut-être, ouais. Ouais. Je vais essayer. Si jamais ça me plaît pas, je le bougerai. Hein. Je le bougerai d'emplacement. Je vais mettre un petit escalier. Pour avoir accès. Voilà. Et le chauffage T4. Comme ça. Oh bah ça passe encore au niveau énergie là. Apparemment oui. Je peux mettre une porte. Il manque un morceau de silicium. Allez, un petit morceau de silicium là. Là voilà, on l'a. Et ça là, je vais mettre une porte qui va donner accès aux pièces de chauffage. J'espère qu'il n'y a pas de... Ah si, on a là. Ah. Ah zut. Bon, je vais retourner de l'autre côté. Je vais bouger. De toute façon, ces chauffages là à terme ils vont bouger. Hein. Je peux encore en prendre un, je sais pas. Ça. Je vais mettre ici. À chaque fois j'oublie de rester sur la touche contrôle hein, pour continuer à fabriquer le même élément, mais voilà, comme ça j'ai accès ici. Je vais voir au niveau de l'électricité là si ce que ça dit. Oh là, 2,10. Ah oui, il faut vraiment que je pose ce petit réacteur là. Où je refasse quelques... J'ai plus de super alliage là. Bon, ça c'est le mauvais endroit, l'osmium là. Ah bah oui, j'en ai suffisamment. En faire deux.
Le magnésium. Oh, je n'ai plus de magnésium. Alors là. Première nouvelle, je n'ai plus de magnésium. D'accord. Ok. Il y a longtemps que je n'avais pas vu ça. Je crois que j'ai pas eu de pénurie de magnésium depuis le début du jeu. Il me manque là de fer, et de l'eau. Je vais prendre de l'eau. Ah, faut que j'aille chercher de l'eau. Je vais refaire le plein. Coffre en eau. Qu'est-ce qui me manque? Le titane. Bah oui, bien sûr, le titane. Et deux titanes. Donc là, on laisse la touche contrôle appuyée, comme ça permet de rester dans la machine. Pourquoi je peux pas refaire là? Manque quoi? Du silicium. Silicium, ah bah oui, puis du magnésium, forcément. Je vais faire ça d'abord. Déplacer, reprendre une bouteille plus ça. Récolte, hein, voilà, toujours la petite chose habituelle à faire. Et je vais aller rechercher. Ah bah oui, c'est vrai, bah non. J'ai oublié un peu, c'est tout récent aussi, hein, la foreuse. La foreuse qu'il y a ici, c'est tout récent. L'extracteur. L'extracteur. Voilà. Comme ceci, pour refaire ça, voilà. Il m'en faut deux. Il m'en faut une bouteille d'eau. Je vais poser ça à la zone de production. D'électricité. J'aurais pu faire un escalier ici, c'est vrai que je l'ai pas fait. Mais il va me gêner peut-être. Ouais. Poser d'abord ça. Ah, qu'est-ce qui gêne? Rien du tout, mais. Alors, je peux mettre ça ici. J'aime bien que ça soit bien aligné. Voilà. Là, au niveau production d'électricité, je dois être un peu mieux. 80 et quelques en plus, théoriquement. Ouais, voilà, 88. Bon, c'est pas terrible hein, quand même, mais bon. Il va falloir que je retrouve de l'uranium dans des coffres en recherche, en exploration. Et ça devient très très urgent. Donc ici, l'extracteur T2 qui arrive. Et qu'est-ce qui tombe là? Ça c'est du super alliage ça. Thank you.
faire vraiment un petit... Oh, il y a des pop devant mon nez, quoi. On peut vraiment se faire un petit stack. Vite, 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 vite. Allez. Encore quelques-uns, là. Il me semble que c'est bon. On voit pas d'autres. Voilà. Ah, en faire plein. Qu'est-ce que je jette, tout ça? J'aurais pu jeter le cobalt. Le cesium. Encore là. Oh, il a des pop devant mon nez, quoi. Le temps que je fasse ça, bon, c'est pas grave. Bon, bah, je me suis fait ma... Oh. Voilà. Parfait. Alors, pète de sable. Oh, vite, mon oxygène. C'est fait. Et moins une. Bon, voilà. Bon, bah, je range tout ça. Puis, bah... Je continue. Me revoici. Bon, j'ai mis quelques petites choses. Super alliage. Oh, on n'a pas reçu. Fusil. Fusée d'épandage de graines. Oh, sympa ça. Bah tiens, je vais aller voir tout de suite ce qu'il faut pour faire ça. Qu'est-ce qu'il faut pour faire cette fusée? Super alliage d'écorce, ok. Ok. Alors, je vais essayer d'aller par là. Après la zone alu. Sur la droite, il me semble qu'il y a une grotte. Non, je suis plus tout à fait certain. Il y a longtemps que... Je n'ai pas joué au jeu, hein, donc... Enfin, je n'ai pas joué au jeu depuis ma dernière aventure sur YouTube. Qui, d'ailleurs, j'avais pas été aussi loin que ça. J'avais pas été aussi loin que cela, donc... J'avais fait pas mal d'explorations pour voir. Mais comme des souvenirs lointains, donc je suis plus très sûr de tout. Très sûr de tout. Et là, je pense... ah tiens, 2, 3, il me faut un titane. Tiens, j'ai zappé un titane en équation. Ah non, c'est 2 titanes, c'est pas 3. C'est de l'oxygène, c'est de la nourriture. Alors, si je ne me trompe pas, je vais continuer par là, je vais faire le tour. Ça commence à verdir là, doucement. Si c'était du sable, le sable commence à verdir, quoi. Est-ce que c'est là ou... Bon, je vais continuer encore. De toute façon, j'ai ma maison.
ma petite maison qui me sert mon oxygène. Ouais, voilà, là, sur ce grand vaisseau là-bas. Cette structure, mais ça doit être un morceau de vaisseau écrasé, je pense. C'est mis ici. Là, est-ce que l'eau va inonder ce vaisseau? Ah ouais. Ah ouais, ça inonde là. Est-ce qu'il va être encore... visitable. Ça fait un grand lac là. Ça sera pour une future exploration. Parce que là, mon but c'est de... c'est de trouver de l'uranium. Il peut y avoir une... il y a des grottes en fait à uranium, j'en ai déjà trouvé une. Qui était bien. Oh, oh. Bah ça je prends. Hein. Ça je prends. Et il doit y en avoir une autre. Satellite écrasé, non, on peut rien prendre sur les satellites. Hein. Est-ce que ça se remplit d'eau en bas là, tiens. Alors toute cette zone là. Quelque chose ici là. Oh. Ok, un truc à explorer ici. Voilà, j'ai un doute que ça se remplisse d'eau ici. Hein. C'est fort possible. Hein. J'ai pas pris beaucoup d'eau quand même. Hein. J'ai pas pris beaucoup d'eau. Bon, allez, je vais faire mon curieux. C'est que ça... ça, non. Ça on peut le démonter ou pas? Non. Non plus. Oh là! Ça c'est beau ça. Je vais prendre des moteurs. Ça, parce que là pour faire des fusées, c'est pas mal quoi. Voilà, 6 mois que le crash a eu lieu, et c'est tout juste si je parviens à survivre tout le monde. Mon objectif principal est de construire une fusée et de quitter cet endroit à tout jamais. Cette planète est maudite. Je le sens dans mes tripes, je vais devoir retourner sur le site du crash. Je pense qu'il y avait une pièce secrète dans la salle de contrôle, un mur pouvant être déconstruit quelque part près des écrans principaux. Mais... ça fait un moment déjà et j'ai du mal à m'en souvenir. Ok. D'accord. Donc là, une espèce de petite pièce là, comme ça. Ça se décrafte ou pas? On peut pas les décrafter. Hein. Ici. Pas d'autres pièces. Hein. Juste cette petite pièce là et... ok. Dommage, je peux pas tout prendre là. Ouais, bon, de toute façon je reviendrai ici dans ce trou là. Je vois à peu près où c'est pas très loin du satellite dans un creux.
bois ma... mon eau. Je remonte. Ah, si j'arrive. Ça, ici, puis face, il y a le creux du satellite. Et là, je m'en vais. Par là. Voilà, pardon. Encore un coffre. Il y a un gros vaisseau là-bas. Oh, du super alliage. Ça, je prends pas, j'ai. Mais bon, j'en ai. J'en ai pris sans le vouloir sur je ne sais quoi là. Là-bas, ok. Je cherche à droite à gauche. Hein. Je ne trouve pas une grotte quelque part. Peut-être que je me rapproche de ce de ces bords là. En de la flanc de falaise là, peut-être. Oh, il y a encore un coffre là ou c'est... Non, c'est le même coffre que je viens de voir ou pas? Nouveau plan reçu, manipulateur d'ADN. Oh oh. Ouais, c'est celui que je viens de voir, ok. Tourne en rond, super. Alors... Je cherche un partout. C'est qu'il y a des grottes là. Ok. Pour être prudent au niveau de l'oxygène. Regarde, hein, je regarde vraiment partout ici. Trace d'entrée d'une grotte ou autre serait vraiment la bienvenue. Je commence à avoir des pousses de verdure. Par là, je pense pas, là, ça va être la fin de la map. Hein. Tomber là. Oh, ça va trouver encore. Je reviens sur le la caisse de tout à l'heure. Est-ce que ça serait... C'est bien, ça me fait un repère aussi la caisse, donc... Hop hop hop, là je vois plus rien là. Non, ça va pas. Un espèce de... Là, là c'est quoi? Rien du tout. J'ai chuté là, peut-être. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Bon. Je ne vois pas le moindre entrée de grotte. Ah. Chargement. Éclairé là. Est-ce que je ne verrai pas oxygène encore. Ça va vite hein, quand même.
d'exploration. Pas forcément les plus attrayantes hein, en vidéo. Mais bon, ça fait partie du jeu. Là, il y a encore de la zéolite là-bas. Est-ce que je la prends? Ouais, je vais le prendre parce que je vais pas en avoir beaucoup là. Je vais pas en avoir beaucoup et je vais en avoir besoin. Ah, je peux pas encore la prendre. Ah si, je peux. Je pense que je suis pas sur le bon outil. Là, je suis en bordure de map, donc ça m'étonnerait qu'il y ait une grotte là. Plus par là, hein. Il y en a pas mal ici, là. Bien ça. C'est bien. Alors la zéolite... Alors, je dis qu'elle est importante, je ne sais plus exactement le craft... sur lequel ça va m'être nécessaire. Et je sais qu'à un moment donné, je vais avoir un craft. Il va m'en demander quelques-unes. Et ça va être tout juste au moment. Parce qu'après, on pourra en avoir beaucoup plus. C'est pas encore pour tout de suite, quoi. Bah, je trouve pas de grotte à uranium. Ça m'embête beaucoup, quoi. J'ai pas relancé de... pas relancé de fusée pour faire tomber de l'uranium. J'aurais dû. Ça permet de... d'avoir une petite réserve d'uranium constante. Et là... là, je suis un peu embêté, là. Ah, il y a quelque chose ici. Mais je crois que je suis déjà passé par ici. Oula, ça c'est pas mal ça. De part ça, je vais prendre aussi. Oh l'oxygène. J'ai l'impression de faire ça tous les 10 secondes quoi. Oh, nouveau plan reçu, extracteur de minerai T2. Ah bah tiens. Ça m'intéresse beaucoup. Donc il faut. Barre de super alliage. Ok, mais ça je l'ai pas encore débloqué, les barres de super alliage. D'accord. Alors, est-ce que je peux... par ici. Oula. Je ne sais pas vraiment si je dois aller par ici. Oula. Ah, d'accord. Pas trop un endroit où il faut aller. Pas trop fait pour. Ok, je peux ressortir. Donc ici, si je suis sur une zone que je ne connais pas, là je ne connais pas tout ça. Voilà, il y a quelque chose ici là, une grotte là. Dis-moi que c'est vert. Grotte de quoi ici? Iridium. Il y a de l'osmium là-bas. L'iridium ici, il y a du soufre. Et le message reçu. Je vais laisser tomber l'iridium en fait. Ça, je m'en fous un peu. Je peux en avoir comme je veux. Et la zéolite, non. Prends la zéolite, il y en a partout ici. D'accord. Je stocke. Inventaire plein. 3 morceaux de fer, c'est bon. Je vais manger aussi. J'ai plus d'eau. Faut que je rentre. Sinon, ça va pas le faire. Je vais mourir de soif. Ça c'est grotte d'osmium. Je sais pas, je vais sortir ici. Et là. Faut pas que je traîne. Hein. Je sais pas où je suis là. Je sais
Pas du tout. Et toi... Parce que là j'ai même pas eu... Il y a même plus de glace au sol, rien du tout là. Ah, quelle bête. Je vais aller trop vite en fait. Plus de glace, plus rien. C'est quoi ça? Ah oui, c'est super alliage, ok. Super alliage comme ça au sol. Hop, encore un coffre ici. Pas mal, du super alliage aussi. Faudrait que je repasse par ici. Là, faut que je trouve une sortie. Je sais pas où je vais en fait. J'aurais peut-être dû prendre dans la grotte de d'Osmium à droite là. J'aurais dû rentrer, peut-être que ça me faisait un raccourci. L'iridium qui... Qu'est-ce que c'est que ça? Du quartz pulsar. Ah. Ça sera pour plus tard. Ok, un nouveau... L'élément. Quartz pulsar. Ok, là la sortie. Alors, grande cascade là. Super beau. Se former ou je ne sais pas. Ok. Oh, nouveau plan reçu. Super alliage, les barres de super alliage. Ok. Oh, hydratation critique. Alors ça, c'est pas cool du tout. Je ne sais pas où je suis là. Je ne sais absolument pas où je suis. Je sais pas du tout. Je suis perdu là, je crois vraiment. Aller là-haut, je sais pas si c'est unité de la map ou quoi. Je ne sais pas du tout. Là, il va falloir que je reprenne de l'oxygène. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. L'hydratation qui baisse, qui baisse, qui baisse. Parce que là, si je peux moi poser ça. Allez, aide-moi le jeu, s'il te plaît. Le jeu, aide-moi. Voilà. Ouh, c'était moi une. Et là, je vais mourir. Hein. Je vais mourir d'hydratation. Je ne sais même pas où je suis. Bien. Ah, je suis aux cascades de sable, donc ça va, je sais où je suis maintenant, mais là, je vais mourir de... Oh, je me suis cassé les jambes, je ne sais pas quoi. J'ai perdu la vie. D'accord, donc le jeu il me remet là ici, d'accord, à du fait que j'ai... Ok. Alors là... Je vais retrouver mon inventaire ici. Je ne sais pas. Oh, j'aurais pas dû aller dans cette cascade de sable en fait. Là. Je suis même pas. Non, je suis pas à la cascade que je connais là. Oh, il est là. Il est là. Je reprends tout. Là, je connais pas ici. Quoi ça? Je fais mon curieux et je vais voir ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh. Un volcan? Ah oui, c'est carrément un volcan ça. Ça a l'air d'être... C'est quoi ça? Pas rien faire avec de la lave, je ne sais quoi, un volcan qui va rentrer en éruption ou quoi. Oh là là, il y a plein de choses ici hein. Là, je sais, je pensais savoir où j'étais mais en fait non, pas du tout, pas
tout le lieu où je pensais être. C'est un volcan, d'accord. Je ne sais pas du tout où il se situe ce volcan. Remonter. Oui, oui, je sais, je sais. J'essaye de sortir de là. Oh. Allez, place-toi, s'il te plaît. Allez. Oh là là, non, je peux pas le placer. Super, bon là, je vais mourir ici. Oh là là. Pire des endroits, j'aurais pas dû venir... Ah ouais, bah oui, j'ai plus rien. Bon là, je vais mourir en boucle. C'est pas possible. J'ai qu'un morceau de fer, bah oui. Alors, je vais laisser ça là. Peut-être que je reprenne ce que j'ai là-dedans. Bah le repère, tiens, je vais le perdre. Sorti de cette zone. Je vais passer par là. Donc là. Si c'est où c'est la grotte d'Osmium, ça. Est-ce que c'est la grotte d'Osmium que je connais? Oh, de l'eau. C'est bien ma chance, ça. Quand il n'y a pas de nourriture. Quelle grotte, ça? Est-ce que... Ah oui, c'est là. Oui, je vois où je suis là. Faut que j'aille à gauche là. Gauche où je vais tout droit. Ah, c'est bon. C'est bon, je suis repéré. Je vois où je suis. Je vais aller tout droit. Pour tomber sur la zone, zone aluminium. Ouais, ouais, ouais. Je vais tout droit. Je suis maximum de chemin. Ok, 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 ok. C'est bon, tu m'as été prévenu. Je fais ce que tu me dis. Je reprends de l'oxygène, t'inquiète pas. Est-ce que je peux faire... Est-ce que je peux faire... Allez, parce que là, je vais mourir. Je vais mourir, donc... je vais pas perdre tout ça, hein. À midi à 14h, là je suis mort dans quelques secondes. Est-ce que j'ai plus de nourriture? Ça se décraft ça? Non. Je sais pas si on peut aller au-dessus, monter dessus là pour. Voilà, c'est voilà, je meurs de faim. Bon, allez. Je reprends tout. Allez, tout droit. J'y suis arrivé, là, c'est bon. Là, je suis à côté. Pouh, quel périple. Bon, c'est dommage, j'aurais perdu pas mal de zéolites. Mais bon, j'ai trouvé quelques petites choses très intéressantes. Bon, faudrait que... Ah oui, donc je retourne là-bas. J'étais dans cette zone là-bas, je crois. Ok. Il y avait un petit endroit où il y a des coffres sympas. Chose à récupérer. J'irai récupérer ça un peu plus tard. Donc là, je vais pouvoir faire des foreuses T2. Ça, c'est pas mal du tout. Enfin. Eh ben. Quel périple.
Non, je prendrais peut-être un peu plus d'eau, je ne sais pas. Je vais mettre avec le super allège, c'est dommage hein, parce que là j'avais beaucoup plus des zéolithes que ça. Hein. J'en ai perdu énormément. Mais bon. C'est le jeu, c'est comme ça. Uranium. Oh, j'ai même pas de quoi faire une. Par contre, ça aussi, sympa. Fusible là. Fusible qui va m'aider. Multiplicateur d'oxygène, celui-ci, d'accord. Donc, c'est un multiplicateur d'oxygène. Pouvoir mettre sur. Faut que je regarde. Je le mets en dessous. Le dôme où ça crée les écorces, je crois que ça bah, le, ouais, parce que lui il crée des l'oxygène hein, je crois que c'est une bonne ressource d'oxygène lui. 1450 par seconde le biodôme T2, donc si je mets ça à côté pour faire plus d'oxygène, plus 500%, ça peut être pas mal. Par contre pour faire ça il me faut une barre d'uranium que je n'ai pas. Je n'ai pas d'uranium, j'ai pas de barre d'uranium. Voilà, bah non j'en ai pas. Donc ouais c'est l'uranium qui va voilà. Ah j'aurais dû faire une fusée. Bah là quoi que je peux là, je peux refaire une fusée. Je peux refaire une fusée pour l'uranium, il me faut. Pas de bêtises. C'est 3 cobalt, ça. Un moteur. Cobalt, c'est un moteur et deux super alliages, je crois que c'est bon, je crois que c'est ça. Est-ce que c'est la fusée qui va me sauver l'uranium? Certainement. Alors, fusée à uranium, astéroïde bonus, générateur global, prenant le champ magnétique. Que celle-ci elle fait. Attraction d'astéroïdes, attire les astéroïdes, à d'uranium, d'iridium, d'uranium, donc c'est celle-ci. Go. Allez. C'est la souris qui va me sauver. C'est la fusée qui va me sauver, ça. Elles sont tombées de l'uranium. Voilà, ça va déjà tomber là. Bon bah voilà, j'ai plus qu'à attendre que l'uranium tombe. Et puis je vais récolter ça. Et ça va me permettre de. Déjà de refaire de l'électricité. De faire le ce réacteur là. En récoltant de l'uranium, j'en ai peut-être pas assez. Mais je vais pouvoir relancer d'autres de fusées. Faire le. Faire les barres d'uranium. Il faut quoi? Faire les barres d'uranium, c'est. Bah, c'est combien de. Ouais, c'est 3, 6, 8, 8 super alliages, donc il va falloir que je mette un place quelque chose pour faire ça aussi. Qu'est-ce que je débloque là dans les prochaines manipulateurs d'ADN? Oui, puis j'ai débloqué les fusées comme ça. Qu'est-ce qui se débloque aussi? Un autocrafter là, 2,5 GTI. Là ça avance vite quand même. Hein. Ça avance vite. Je crois que je booste encore l'oxygène peut-être. De toute façon, il faut que je booste tout, hein, comme d'habitude. Donc il se peut que. Que je mette en place toute une chaîne pour fabriquer du super alliage, que je vais aller en chercher aussi. Je repose des foreuses là comme ça. Voilà. Encore tout ça à faire. Encore beaucoup de travail pour terraformer cette planète. Et puis bah voilà. L'herbe est arrivée. 11%. Ouais, c'est passé vite en fait, hein, le temps que je fasse mon petite excursion. Monter vite, donc là les arbres ont. Les arbres
des arbres, donc je vais avoir des possibilités de semer des arbres là. Non, là j'ai que semoir, toujours les semoirs. Ouais, faudra que je fasse aussi des fusées. Ouais, bah, il faut que j'aille récolter tout cet uranium là qui vient de tomber. Et puis bah sur ça, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Écoutez-moi ce son de pluie, excellent. Allez, à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Et puis un petit commentaire si cela vous dit. Allez, à plus.